Tout commence avec une défaite des Girondins Bordeaux contre l'AS Monaco et un sec 3-0. Les Marinés Blancs voient leur matelas pour se maintenir s'égrener et le spectre d'une descente sportive en Ligue 2 se rapprocher. À la fin de cette rencontre, Jean-Louis Gasset explique à la presse qu'il souhaite se sortir de cette torpeur. On va être dans les mêmes dispositions que quand on est allé jouer à Dijon. En gros. Au niveau psychologique. Et je pense qu'on va partir préparer un peu plus tôt dans la semaine parce que j'ai l'impression qu'il y a des ondes négatives ici et qu'on a besoin d'être aéré. Donc peut-être qu'on va faire un mini-stage avant le match pour être au vert, comme on dit. Nous sommes le jeudi 22 avril, la conférence de presse d'avant-match se déroule et Yacine Hadji explique qu'il souhaite maintenir le club bordelais dans l'élite du football français. Mais quelques heures plus tard, sous les coups de 18h, le club au scapulaire réalise un communiqué qui fait froid dans le dos. King Street décide de se désengager, l'incompréhension est de mise par beaucoup d'observateurs. L'indignation est au premier plan avec de nombreux anciens joueurs bordelais ou encore entraîneurs, en passant d'Eli Bop, Christophe Dugarry, Alain Giresse, allant jusqu'à Bichente Lizarazu. Le lendemain, les ultramarines décident de communiquer sur la situation et appellent le peuple bordelais à se rassembler sur la place Béberlan le samedi 24 avril pour donner naissance à l'acte numéro 2 du mouvement Nous les Girondins. De nombreux supporters de tout âge répondent à l'appel et près de 1500 supporters viennent crier leur mécontentement. Pendant plus d'une heure, ces inconditionnels du FC Girondins de Bordeaux viennent écouter le discours des ultramarines et stigmatisent ce mal par un seul homme, Frédéric Longuépée. Notre club est en ruine. Nous sommes assis sur un champ de ruine et la seule chose encore fonctionnelle dans ce club, c'est les supporters. C'est vous, c'est vous. Vous êtes les seuls rescapés depuis l'arrivée de King Street au club. Maintenant, j'aimerais vous entendre. J'aimerais entendre le cœur battant du club. Levez-les, le club pour reprendre ce club. Et Nicolas Taverneau, en tous les cas aujourd'hui, s'il veut aider, puisqu'on peut parler d'avenir, le résultat c'est que quelques mois avant la vente des Girondins, qu'est-ce qui s'est passé? M6 a obtenu les droits de l'équipe de France de football. Donc on lui a dit, monsieur Taverneau, prenez-nous pas pour des pigeons. Ok, vous n'avez pas gagné d'argent, mais quelque part vous en avez gagné de manière indirecte. Et on vous le reproche pas, on vous le reproche pas. Par contre, ce qu'on vous reproche, c'est d'envoyer le club en enfer. Et au local avec Souza, et qui nous a dit, il n'y aura pas une tête d'affiche, il y en aura deux. Cette année on est européen, l'année prochaine on est en Champions League. Je me dis, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Lol. Mais à la limite, on avait des petites étoiles dans les yeux. Début septembre, les résultats commencent un petit peu à venir. Et Longuépée nous parle de son logo, mais c'est pas l'urgence. À la limite, on va en parler à la prochaine région, mais c'est pas l'urgence, il insiste. Leur but est simple, retrouver le club qu'ils ont connu et le reconstruire. Les fameuses affiches de recherche de Frédéric Longuépée sont levées avec deux termes. Mais les supporters ne veulent pas perdre espoir et croient toujours à une bonne fin d'une histoire qui dure plus de 2 ans. Quelques instants après la manifestation, les deux têtes pensantes des ultramarines viennent faire une déclaration à la presse pour expliquer qu'il est désormais temps, une bonne fois pour toutes, que Frédéric Longuépée parte des Girondins de Bordeaux. La colère, elle est là depuis ce rachat. La colère, elle s'est amplifiée depuis 2 ans avec la présidence de Frédéric Longuépée. Frédéric Longuépée a déclaré devant les salariés il y a 15 jours, alors qu'il sachait pertinemment ce qu'allait arriver au club, il a dit aux salariés, je siffle la fin de la récré des supporters, j'espère qu'aujourd'hui, c'est plutôt la sienne qu'on a enfin sifflé. Longuépée doit cesser son œuvre de destruction de ce club légendaire. Et la première chose qui doit se passer dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est son départ. Il n'y a pas d'autre message. Ça ne sert à rien de parler du reste. Dire que King Street, c'est des voyous, on le sait tous, on est tous au courant. On prévient depuis 3 ans. Mais de toute façon, ça ne les intéresse pas. Ils ont lâché le club. Là, maintenant, le club, ça redevient notre bien à tous, vraiment. Il n'y a plus de propriétaire. Il va falloir en trouver un autre. Et ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Ça ne va pas se faire en 48 heures. Par contre, il faut qu'on commence. Le peuple girondin doit commencer à retrouver son club. Et pour que nous retrouvions notre club, il faut que Frédéric s'en aille. Hier encore, il était à côté de l'équipe, alors que Jean-Louis Gasset
avait quitté le Haillan pour fuir les ondes négatives que balance Frédéric avec longue épée par son omniprésence. Et comme une énième provocation, il était près d'équipière, ce cinéma doit assez durer. Il faut qu'il parte. Il faut qu'enfin, dans un premier temps, nous sauvions les Girondins de Bordeaux. Il y a un vrai risque sportif, c'est aussi ce qu'on s'est vertu à expliquer aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de division 2, il y a soit Ligue 1, soit National 3. Pour la question des sociaux, c'est clairement pas le moment. D'accord, l'urgence, elle est ailleurs. On ne va pas parler de la reconstruction, de la manière dont elle va se faire tant que le club ne sera pas sauvé. Le message qu'on a voulu faire passer aujourd'hui, il est là et c'est bien important que tout le monde le comprenne. Aujourd'hui, les Girondins de Bordeaux sont en danger. C'est un danger vital et imminent. Toute question sur la question du rachat est prématurée. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aussi un message qu'on voulait adresser, évidemment, à l'opinion publique, évidemment, à Frédéric Longue-Épée, qu'on comprenne réellement l'urgence de son départ, mais c'est aussi un message qu'on a voulu adresser à l'équipe. Le club des Girondins est en danger, et là, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, il n'y a qu'eux qui peuvent changer la donne. Cet acte 2 aura été une nouvelle fois très fort en émotion, mais désormais, ces fidèles des Marinés Blancs n'ont qu'une seule chose en tête, le maintien sportif des Girondins de Bordeaux sur les 5 dernières rencontres du championnat, avant de continuer le combat et trouver un repreneur fiable qui pourra pérenniser les Girondins de Bordeaux dans l'élite du football français.